Salut tout le monde, c'est Akizo, on se retrouve aujourd'hui sur Dofus pour une nouvelle vidéo de notre série de farm de chaque zone du jeu. Aujourd'hui on est toujours à Incarnam, on va se taper sur la cinquième zone d'Incarnam. On va s'attaquer au lac, une zone de niveau 5 apparemment, qui est plutôt grande. On compte 10 maps et on va tout de suite se présenter les monstres. Donc la zone lac comporte 3 monstres. Quand Splatch, Petit Glout et Plic-Ploc, qui compte nous dropper de l'eau potable à 30 km unité, des pots de glout à 147 km, des viandes bien sûr comme d'habitude à 73 km, et des petites ceintures d'aventurier qu'on va briser à la fin. Cette fois dans cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous laisser avec tous les combats accélérés plus vite. Donc vous allez avoir, je pense, une heure de combat accéléré. Comme vous pouvez le voir, il y a des goujons dans la zone. Je sais pas encore si je vais les choper. Je vais juste voir ça coûte combien. Voir si ça vaut le coup de les choper ou pas. Ah oui, quand même. Oh, peut-être qu'on va. On va se faire ça en même temps. En parallèle des. En parallèle des petits blocs. Sur ce, je vous laisse avec le farm d'une heure dans la zone des lacs. Et je vous retrouve pour le bilan dans une heure. A toutes.
Et re tout le monde, on se retrouve après un peu plus d'une heure de farm. Je savais plus exactement à quel endroit on a commencé, comme je l'avais pas noté. Là vous voyez, il est 14h56, donc je crois qu'on a fait 1h05. Je crois qu'on a commencé à 13h51. Donc bilan du farm, c'est hyper agréable, ça respawn super vite. Petit bémol, je me suis un peu fail, je vous avais dit que je farmerais le goujon. Sauf qu'au bout de 30, 35 minutes, j'ai fini full pod. Donc j'ai la moitié du loot dans mon inventaire et l'autre dans la voie sac. Donc au bout de 30-35 minutes, j'ai arrêté de choper le goujon, j'ai pris que des orties. Et on va sans plus tarder, passer au résultat. Hop. Donc je suis tombé sur 3 protecteurs de ressources, 1 d'ortie, 2 de goujon. Je vais les prendre. Je vais aller chercher les ressources dans la brosse sac. Tac. Je peux tout prendre. J'ai pas compris. Trop bizarre. Il y avait ça aussi. Bon. Et finalement, je suis pas du tout le pod. Bah écoutez, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin bon. On se retrouve avec en poche 161 134 kamas. En comptant leur thyroïde, qui est un loot rare, donc je sais pas si on peut le compter, mais ça change pas grand chose à la donne. Donc on a pu choper 1145 goujons avec, pour 27 000 kamas quand même. Vous voyez, si j'avais continué à choper tous les goujons, je pense qu'on aurait pu se faire beaucoup plus, mais je me suis dit que pour les mieux que je farme la zone, c'était plus représentatif. Puis même, je sais pas pourquoi, en fait je pouvais plus courir, je faisais que de marcher, donc j'ai pas trop compris. Ensuite du coup, une ortie roïde, 613 orties pour 10 000 kamas, 456 eau potable pour 13 680 kamas, 446 pots de glout pour 65 000 kamas, 4 matériaux bleus, une matériaux rouge, 4 encres d'octapodage, je savais pas du tout qu'on pouvait choper ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Ah, d'accord, j'en avais pas entendu parler. J'ai jamais utilisé ce machin là. Je savais pas que ça se pêchait. D'accord, bah 4500 kamas pour 4 ancres et 32 000 kamas avec les 454 viandes. Donc vous voyez, on se trouve avec un sacré pactole quand même pour une heure de farm. Hello tout le monde, je vous reprends rapidement. J'ai complètement oublié de briser en fait les objets qu'on avait drop, les ceintures de l'aventurier. Donc on a dropé 17 quand même. On va vite fait briser ça. Hop, 3000 kamas de ruines. Voilà, voilà, pas de soucis. Je vous remets tout de suite, du coup, la séquence d'après. Et vous avez pu voir qu'on s'est fait, du coup, 3000 kamas de ruines. Allez, à toutes. Je vous le dis, c'est hyper agréable, ça spawn, mais du tac au tac. Vous avez un peu le temps de faire deux maps que ça a déjà respawn sur le précédent. En tout cas, plutôt content de ce farm. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et activer la cloche surtout. Pour ne rater aucune des autres, parce que ça arrive très fort. Le prochain farm se passera sûrement dans la forêt d'Incarnable, et ça arrive sous très peu. Sur ce, bye tout le monde!